Bonsoir les filles, bon vendredi. Comment allez-vous? Alors, ici Sylvie Doré, bien grippée, ici pour vous servir. Fait que vous excuserez ma voix nasillarde, eh oui. Celles qui me regarderont en replay, je vais demander de mettre hashtag replay. Puis celles qui vont arriver en direct, écrivez-moi n'importe quoi. Alors. Eh oui, j'ai un super beau maquillage à faire, mais la fille est pas mal poquée, fait qu'on verra ce que ça donne, mais bon. Je l'avais annoncé, puis je vais le faire. Je l'ai dit, je vais le faire. Ça, c'est sûr. C'est mon genre. Quand je dis quelque chose, je le fais. Bon. Juste aller. Alors, quand vous vous connectez avec moi, vous me dites un petit coucou, ça serait gentil. Non, je suis pognée. Non. J'espère juste que je ne pognerai pas de canne de tout. Puis je me moucherai pas 150 fois pendant mon live. Y a des journées moins faciles que d'autres. Alors, on va commencer tout en douceur. Je vais mettre mon eau de rose, ça fait tellement de bien. Gaiement. Donc, ah ouais, là, je me suis. On a mis plein les cheveux, là. J'ai mis de la solution saline dans mon nez. J'ai même un petit bâton Vicks là, que tu renifles. J'ai mis du Vicks dans mon cou. J'ai mis de l'huile ici sur mon nez parce que il était vif. Ça paraît vraiment, il est rouge un peu, là. Mais que voulez-vous, hein? Puis je vais me moucher clairement durant mon live, là. Je me mouche normalement, fait qu'imaginez grippé. Donc, je risque d'avoir l'air de Rudolf, là, mais on va faire avec ce qu'on a. C'est pas grave. Des choses tellement pires que ça dans la vie. Une petite grippe. Donc, j'ai mis mon eau de rose, ça fait super du bien. Là, hey, j'étais encore sur mon tube. Mais là, non. J'en ai mis un matin, puis je pense que je l'ai terminé. Je vais réessayer encore. Faites-moi un petit coucou. Ah, mon Dieu, ça se peut pas. À chaque fois, mais là, OK. T'es fatiguant, tu te répètes. Je le dirai pas. Je vais mettre ma base. Ça va faire du bien. Surtout ici, là. Ah, mon petit nez endolori. Hey, salut Stéphanie, comment tu vas? Pas été trop pénible de retourner travailler? Le prochain, je l'aurais pu. Hey, c'est mon premier live de 19h qui fait clair encore. Wouhou, c'est-tu encourageant ça? Ça, c'est cool. Demain, ta première course à obstacles. Super, c'est où? Un genre de Spartan Race, quelque chose comme ça? Ouais, je sais que tu adores tes jobs. Moi aussi, j'aime ça, mais je l'ai trouvé dur cette semaine parce que j'ai été malade mercredi, jeudi. Tu sais, j'ai manqué le travail. Aujourd'hui, je retourne travailler. Puis je toussais tellement. J'achalais. Ben, tu sais, je me tapais ses nerfs, moi, fait que je peux comprendre mes collègues. Parc en grignon, ça va être cool. Fait que j'ai écrit à ma boss, je disais, c'est l'heure du dîner, je vais repartir, je vais finir ma journée à la maison, là. Tu sais, quelqu'un qui est venu me parler, je suis partie à tousser tellement que j'enlevais quasiment le cœur. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. J'espère juste que ça n'arrivera pas ce soir. Dead End Race. Il y a quelque chose que tu vas être tout crotté à la fin, là, clairement, là. Sûrement, hein, Stéphanie. Non? Ben là, il va y avoir de la bouette, certain, là. Tu vas avoir les pieds gelés. Ah, t'es faite tough, ma belle amie. Bon. Je vais mettre mon fond de teint. Ah, ben, tu sais, je vais mettre ma base pour mes yeux. Sub-zéro avec la fonte des neiges, oui. Ouais. Ouais. T'es supposé être dans la neige, mais là, c'est pas génial, hein? Bof. Peut-être que. Il me semble que je t'ai déjà vu plein de boîtes, là, dans tes courses, là.
Bon, ma base, j'en mets en plus, mais une belle base parce que, bon, le maquillage qui m'a été inspiré, c'est parce que j'ai une cliente qui se marie en avril, si je ne me trompe pas. Puis elle me disait, ah, oh, t'aurais-tu un maquillage un teint de mauve, elle a les yeux bruns, puis elle voulait mauve. Fait que là, j'ai montré la photo que j'ai mise, puis j'ai dit, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? Elle m'a dit oui. J'ai dit, parfait, je vais faire ça. Fait que je l'ai annoncé. J'espère, mais avec les spots, j'ai pas l'air trop poqué, c'est pas si pire. C'est moins pire que. En vrai. En vrai, vous me voyez en vrai, mais avec les lumières, j'avoue que ça floute un petit peu les défauts. Donc, OK, on va y aller avec le fond de teint. Il faut que je déguisonne. J'ai tout sorti mon stock parce que je me suis dit, j'ai tellement pas le cerveau tout là, qu'il faut que je sois bien organisée. J'ai tout sorti mes affaires. Sûrement que je vais avoir oublié de quoi, là, mais bon. Fait que je vais mettre mon fond de teint liquide. Ça, c'est sûr que je vais mettre le spécial du mois parce que c'est un chouchou. Ça, c'est des produits chouchou qui contient la base que j'ai mis, le gros tube, le fond de teint liquide, le correcteur que je vais mettre tantôt, puis soit le fixatif ou la poudre translucide. Fait que 32% de rabais, ça vaut la peine. OK! Donc, je vais prendre mon pinceau. J'ai bien brassé mon fond de teint. Et je vais mettre quelques petites gouttes. On verra ce que ça donne. Puis j'imagine que dimanche, je vais te reposer. Hey, s'il y a d'autres filles en ligne, faites-moi un petit coucou, un petit pouce en l'air si vous voulez pas jaser. Puis j'en mettrai pas trop parce que j'ai mis du Vicks à partir de là. Fait que je veux pas descendre mon pinceau. Normalement, on en met plus bas. On en met ses oreilles. On en met la racine des cheveux parce qu'on veut surtout pas qu'il y ait. Ouais, un bon repos bien mérité. Bon, qu'est-ce que ça dit? Ça n'est pas si tant pire. Je vais aller mettre du correcteur. Je vais prendre. Attends une minute. Bon. Ah, excusez. Je frotte puis ça me fait tellement mal. Ah, papa. OK. Moi, bon, je vais mettre mon correcteur comme ça. Avec mon petit pinceau. Donc, je vais mettre deux couleurs de correcteur. Je vais mettre la même couleur organza que mon fond de teint. Ça va être pour aller camoufler mes rougeurs de nez puis mes petites taches. Et le plus pâle, je vais aller faire un petit peu une zone plus pâle en dessous de mes yeux. C'est pas si pire, là. Je vais ça parler du nez. Tu respirais fort. En autant que vous m'entendiez pas respirer trop fort. Bon, là, je vais mettre Scarlett. Ça, c'est le correcteur le plus pâle. Bon, le plus pâle. Je vais aller en mettre en dessous de mes yeux. Ben, je vais faire quand même un maquillage complet. T'sais, tant qu'à être poquée, c'est bien essayer de faire de quoi? Comme ça. Bon, là, ici, j'en ai pas pire. Là, je vais en rajouter ici. Je vais y aller avec mon éponge. Allez donc. J'ai l'impression que mon éponge était pas mal mouillée. Bon, voilà.
OK, je vais aller réchauffer mon teint avec, parce que je suis plutôt blême, avec ma poudre bronzante couleur Sunset, avec mon Powder Puff. Ah, si je l'ouvrais du bon bord, ça marcherait mieux. OK. Je vais en mettre un petit peu ici. On descend pas trop bas. On monte jusqu'en haut de l'oreille, mais on va pas plus loin même avec ça. Là, après ça, je vais aller faire des trois. Dans le cou, pas trop bas, ben j'ai du Vicks. Je le dis pour que je m'en rappelle. Ça c'est bon. Je vais aller mettre mon que j'ai mis. Allez, non. Je vais te dire. Je vais aller mettre mon fard à joues. Je vais aller mettre la couleur sweet. Oh non, c'est pas le bon pinceau. J'ai pas assez de pinceau. Et je vais aller en mettre juste en haut. Où est-ce que j'avais mis mon. Bon, je parle comme un robot. Où est-ce que j'ai mis ma poudre bronzante? Elle est pas toute là, là, madame. J'espère que mon maquillage va être plus beau que mes explications. Ah, bo boy. Ça, c'est bon. Je vais aller faire mes sourcils. Et là, je pense que je vais prendre ma. Je prends-tu la palette à sourcils? Ça, c'est. Ouais, ça, c'est bon. Je vais prendre ma palette à sourcils. C'est rare que je la prenne. Puis là, j'ai le goût de la prendre. Donc, je vais prendre celle-là. Fait que j'ai du gel. J'ai un rose qui va bien en dessous. Il y a les deux couleurs de bras pour faire mes sourcils. Puis ça, c'est un illuminateur. Fait que moi, je prends le plus pâle. Je vais rapprocher de mon profil. En faisant des petits coups. Ici. Puis ensuite. T'es-tu avec ta popone, Stéphanie? C'est vrai que ça va me prendre. Mais oui, il y a là mon pinceau. Attendez maintenant. Je vais prendre du plus foncé pour juste ma pointe ici. Voyons, ça faisait longtemps que j'avais pas cligné des yeux. Ok, le côté. Faut pas que mes yeux pleurent parce que là, je vois de la misère à maquiller le dessous de mes yeux. Hein, Kelly, qu'est-ce que t'en penses? Fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne à part moi dans la maison. Ça fait différent de la semaine passée où c'était pas mal le bordel avec mon plus vieux qui. Je réécoutais par après le live de la semaine passée, puis ça m'a amené, il s'est servi un super beau souper, hein, tu sais, genre des chips puis du gâteau, là. Super. Puis là, on l'entend faire fouiller dans le sac de chips, là, mais c'est parce que ça finissait plus, là.
Bon, je vais me revirer pour me moucher, là. Oh, mon Dieu, pas de, pas de. J'avais de mettre juste deux petites affaires de Kleenex dans mes... J'aurais plus besoin de me moucher. Voyons, Kali. Ça va? Entendez-vous? Elle tousse, c'est tenu ou je sais pas quoi. Bon, là, ça revient rouge, là. Eh boy. OK. On passe à autre chose. Je vais mettre un petit peu, juste un petit peu de... Ben oui, moi. Ouais. Je vais mettre du gel pour fixer. Puis je vais peigner après. Bon. Et là, je vais aller mettre mon petit rose. Juste pour faire comme une ligne bien, bien clean. Voyons. Vous êtes tranquilles, les filles? Ça vous tente pas de me jaser un petit peu? J'ai besoin de compagnie. Bon, il me semble que j'ai été... Mais c'est pas grave. Je vais aller mettre l'illuminateur tantôt. Ça, c'est pour donner l'effet fraîchement épilé. OK! Le fun commence. Je vais mettre mon illuminateur à la fin. Les yeux. Les beaux yeux montent. Je vais commencer avec... Pardon. La couleur... Non, je ne suis pas capable. OK. Crafty. C'est un beau petit lilas. Ouais, un beau petit lilas. Je me suis un peu aimée parce que j'ai mis mes doigts dedans. OK. Je vais monter mes manches. C'est la grosse job comment. Je vais aller appliquer ça avec mon fluffy creux de l'œil. Et là, je vais aller en appliquer comme dans le creux, hein, comme son utilisation le dit. J'en rajoute. Je vais en descendre sur la paupière mobile, mais pas jusque dans le coin. Je laisse un peu... Ça, c'est un maquillage qui est beau pour les yeux bruns, les yeux bleus, les yeux verts. Finalement, toutes les couleurs de yeux. Bon. On va aller flouter ça après. C'est parce qu'il fait doux, vous êtes toutes sorties, il n'y a pas grand monde. En tout cas, si vous me regardez en replay, là, s'il vous plaît, vous mettrez hashtag replay. Bon. Fait que c'est bon. Je vais prendre mon pinceau estompeur. Je pense que tantôt, je vais aller me rajouter du forêt joue, là. J'ai manqué ma chatte. J'en remets avec mon pinceau estompeur. OK. Là, je vais aller prendre la couleur foncée. Non, je vais aller prendre la couleur pâle tout de suite. Qui est Trusting. C'est un petit... petit lilas... Nacré... métallique, ouais. Je cherche mes mots. Et là,
Ce qui est bien, on peut prendre un bout éponge, puis on l'humidifie avec de l'eau de rose fixatif, ce que vous voulez. Oh, puis je mouille l'autre bout. Bah. Et là, on va mettre le bout éponge et ça fait beaucoup plus punché quand on le mouille. Si on veut pas que ça soit trop punché, on le mouille pas, ça va être moins... Mais je trouvais ça beau parce que, bon, le but c'était pour un mariage. Fait que j'en mets jusqu'à peu près le 3/4. Fait que celles qui sont avec moi, faites-moi coucou! Coucou bébé! Ça. Et là, je vais aller mettre ma couleur foncée qui s'appelle Credulous. C'est un beau mauve aussi nacré. Et ça, je vais prendre le pinceau. Bon. Je vais aller réparer mes petites rougeurs de nez après. Bon, mon pinceau, je l'ai sorti tantôt, je suis certaine. Mais non, je ne l'ai pas sorti. Je vais prendre ce petit pinceau-là. Et là, je vais aller en mettre dans le creux. On va y aller. Assez punché. Comme je disais, l'occasion, c'est un mariage. Donc, il faut ce qu'il faut. Je vais aller estomper tantôt, ne vous inquiétez pas. OK. Là, je vais aller estomper. C'est-tu la saison morte qui arrive, là? Va-tu falloir que je change mes heures de live? Vous me direz, à quelle heure vous préféreriez? Quelle journée? Bon, je vais aller en mettre d'autres. Je m'en vais un peu en pointe vers ma ligne de sourcil. Puis en fait, ce que je peux faire tout de suite, c'est m'aligner. Tu sais, faire ma ligne, fait comme ça quand je vais faire mon eyeliner, ben, j'aurai juste à suivre ma ligne foncée. Là, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais le mettre en dessous. Ce qui me fait penser que j'ai pas mis ma poudre translucide. Ce que je vais m'empresser de faire. Bon, attendez une minute. Je suis franchement perdue, j'en suis désolée. Désolée. Donc, ma petite poudre translucide, je vais aller en mettre partout où j'ai mis mon correcteur tantôt. J'en mets pas beaucoup parce que moi, personnellement, je trouve qu'en vieillissant, il faut éviter de mettre trop de poudre.
Ça dépend toujours quel genre de peau on a. Mais je trouve ça, moi. Ok, mon eyeliner. Qui est ici. Oui, c'est mon noir. Mon eyeliner noir. Là, je vais juste peut-être en remettre un petit peu de ma... Ça fait bizarre, là. Tant que c'est pas fini, ça fait bizarre. Mon eyeliner. Et je lui mets un post plat de musique. Je sais pas si vous l'entendez, mais mon Dieu. Ok. Attends une minute. Donc, j'arrive au coin de mon œil. Et là, l'opération critique arrive. Comme j'ai déjà fait ma ligne, voyons, je vois plus clair. Tantôt, en lichant avec mon pinceau, j'ai juste à la suivre. Puis, excusez, je vais me rapprocher, je ne vais pas vous traumatiser. Et là, j'ai totalement manqué ma ligne. Aïe, aïe, aïe. On va aller l'amincir. C'est pas si tant pire. L'autre côté. Donc, même chose. Comme ça, on voit-tu, on voit-tu? Je vais prendre un crayon noir et l'aiguiser. On va-tu arriver à faire quelque chose avec ma face? C'est pas garanti. On va tout faire. Je rejoins ma ligne. Comme ça, je vais aller flouter le tout. Et là, je vais aller ajouter une petite touche. De... Oh! Excusez! Pas très gelée, les rouges avec des yeux mauves. Là, je vais aller prendre un pinceau comme ça, que je vais mouiller. Et je vais aller mettre ma petite couleur que j'ai mis ici. Je vais aller prendre ça avec mon pinceau. Et je vais l'appliquer tout en dessous de ma ligne. Comme je disais, c'est pour un maquillage de soirée, de mariage.
Alors, on a le droit. Bon, j'irai pas travailler comme ça. Bye bye. Voyez-vous un petit peu? Et là, ce que j'aimerais faire aussi, c'est même en haut. Il me manque juste un peu de noyer. Donc, ça fait juste, vous voyez, une petite ligne, c'est discret quand même, là, c'est pas un pro. Mais les gens qui vont voir de proche, ben, ça va faire ce petit plus-là que je trouvais mignon. Ensuite, je voulais mettre... mon illuminateur, et là... Je suis pas habituée de pas avoir de jasette de même jusqu'à la fin de mon live. Je vais en mettre dans le coin. Je vais même embarquer un petit peu. Bon. Je vais aller m'en mettre en dessous des sourcils, évidemment. Comme ça. Sur mon bonnet rouge. Ce qui me fait penser que... Ouais, ma peau de bronzante... Ah, oh, flash, je me remouche. Maudine. Je pars par là, vous me verrez pas. Vous voyez pas, hein? Mais non. J'ai pas donné. Ah! Mon Dieu. OK. Ma peau de bronzante de tantôt, c'est vrai que je voulais en mettre... Je vais aller amincir mon nez. J'en mets de chaque côté. Donner un effet ombré sur le côté de mon nez qui va paraître plus mince. Je vais l'en mettre ici. Je vais en remettre un petit peu comme ça. Comme ça. OK. Bon. Là, je vais prendre mon... Pour la joue, je vais utiliser mon illuminateur, mais en bâton. C'est-tu pas magnifique? Glow. D'accord. Bon, je vais être rendue à mon mascara. Après ça, mon rouge à lèvres. Je veux remettre un peu de fard à joues parce que je trouvais que j'étais chiche. Ben oui, je le mets direct parce que j'ai mis mon illuminateur.
Je me suis comme tellement mal enlignée. Là. Bon. Tu sais, quand on file bien, on file bien. En plus, je vais tout seul. Il n'y a personne avec moi. OK. On va y arriver, on va y arriver. On désespère pas. Bon, je vais mettre une couche de mascara. Je vais mettre mon, évidemment mon 3D, parce que ça, en plus, que c'est une cliente fervente du 3D qui m'a demandé ce maquillage-là. Attendez une minute. Je sorte mes tubes. Bon. Donc, là, c'est comme le gel, mais dans le fond, ça, c'est moins épique, là. Ça pourrait être le gel. Ensuite, je vais mettre les fibres, les petites fibres. On tape un peu, on roule un petit peu sur la main. Et là, on va aller les appliquer. Et ça, on en met le nombre de couches qu'on veut. Si on a envie. Voyons, je ne cligne plus des yeux, j'ai les yeux qui me coulent. Là, je vais remettre mon gel. Je vais juste mettre un petit peu d'eau de rose. D'accord. Okay. Là, je vais fixer mes fibres. Je vais aller en mettre une deuxième couche de fibres. Voyons. Ah, j'ai un cheveu pris dans mon mascara. Ah, oh, pas cool. Il est vraiment pris. OK, il est après mes doigts. Bon. Petit Kleenex. OK. Donc, le gel, ce que ça fait, c'est que ça fait adhérer les fibres. Puis ensuite, quand on réapplique, c'est pour fixer les fibres. D'accord. Je refixe avec le gel. Ah, l'autre côté. J'ai un beau nez rouge. Aller remettre du mauve, je crois, à ce côté-là. Bon, je vais aller mettre les fibres. Je mets le gel. Les fibres. Vous pouvez faire ça 6 fois si vous voulez. Là. Ça dépend. J'aime ça quand ça fait quand même naturel. C'est bon.
OK. Fait que là, je vais juste aller mettre un peu de mascara en dessous. Voyons. Je mets pas vraiment le 3D en dessous de mes yeux. Parce que je trouve que c'est vraiment proche de l'œil, mais j'ai tellement pas beaucoup, ils sont pas fournis. De toute façon, j'aime pas ça, moi, l'effet papillon ou non, une patte d'araignée. Bon. OK. Là, il me semble que j'aurais besoin d'un petit peu plus de mauve. J'en ai un petit peu plus ici. Hein? Juste une bine pour me contenter. Et là, je vais ajouter la petite couleur lilas du début. La couleur mate, là. Bon. OK. Et là, la fille, elle voulait aussi les lèvres pas mal neutres. Donc, je vais mettre mon crayon prudent, puis je vais mettre un gloss. C'est pas mal la couleur de mes babines. Ensuite, mon petit gloss. Mon Dieu, il m'en reste plus. Ah! Je pense qu'il m'en reste plus, t'en mettre. Si je me trompe pas, j'ai exactement. Je l'ai. Je l'ai. Attends une minute, je veux pas sortir du décor. C'est ça ici? Non. Mais écoute. Ah! Bon, ben, je vais essayer de. Ça, c'est. J'ai dit lucide, hein? Ouais. Allez, arrête. Donc. Voyons. Hey, ça fait ça. C'est-tu pas pire? Pour un maquillage, mettons, de mariage. Ben, de mariage. Tu sais, ils vont dire, bon, c'est simple pour un mariage. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, c'est beaucoup. Ça dépend qui. Mais j'espère que Mireille va trouver que c'est un maquillage qui va lui plaire pour son mariage. Fait que vous me ferez des petits pouces en l'air si vous trouvez ça bien. J'ai pas l'air trop grippée à manger de même. Oh, Maryse! Hey, bonjour, Maryse! T'étais tranquille, tu me suivais-tu depuis le début, puis tu disais rien. T'es super fine, merci. Ben, c'est ça. Fait que tu trouves ça pas pire? Tu m'as-tu fait un petit pouce en l'air? Parce que, c'est ça. Elle a des yeux bruns, puis je pense que mauve, comme je disais, là, c'est une couleur qui va bien à toutes les couleurs de yeux. Donc, puis avec la petite, on voit bien, hein, le petit brillant en dessous. Super. Merci beaucoup, Marie, c'est gentil. Hey, c'était maigre comme audience ce soir. J'espère que je vais avoir beaucoup de replays. Donc, ben ça fait le tour. Hey, non, ça fait pas le tour. Mon fixatif, évidemment, quand on se marie, clairement qu'on veut que notre make-up reste. Attends que je m'enligne. Voyons. OK. En plus, il sent ben, tellement bon. Ah. Ben oui, je remets pas le bon bouchon. Donc,
ça fait le tour. On va pouvoir dire à mon chum qu'il peut rentrer. Je pense qu'il se promenait et je vais rentrer quand tu vas finir. Donc, ben c'est ça, les filles, c'est fini. J'ai plus l'air trop grippée, j'ai l'air pas si pire. Ok, je vous embrasse. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Et on se dit à vendredi prochain. À moins que vous ayez d'autres suggestions d'heures que vous pensez que ça va plus plaire, dites-moi-les, je suis ouverte à toute suggestion. Sur ce, bye bye, bonne fin de semaine, profitez-en bien. Bye!